Coucou tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Art Journal dans mon Midori. Alors, pour le thème, je suis partie en fait de ce stickers de chez Kalia et j'ai pensé à un thème sur l'écriture. Donc, j'aime beaucoup cette petite machine, donc c'est le début du thème. Pour le fond, je vais utiliser, comme l'Art Journal Monster, du papier que je vais déchirer. Ensuite, je prendrai ma palette aquarelle. Si j'arrive à l'ouvrir, donc ma palette aquarelle de chez Winsor & Newton. Et pour unifier le tout, j'ai acheté du gesso transparent, donc clear gesso, donc je vais voir ce que ça donne. Pour les pinceaux, donc j'en prends deux, donc un petit gris numéro 2 pour l'aquarelle, et l'autre un pinceau tout simple pour étaler le gesso. Je vais aussi prendre une distressing, donc la vintage photo bien sûr, avec le petit outil pour estomper, histoire de vieillir un peu tout ça. Et pour tamponner un peu, je vais utiliser la VersaFine Toffee, que je vais utiliser avec le tampon perpétuel de chez Mizushima. Je suis désolée pour la prononciation, je ne suis pas très douée en japonais. Et pour les washi tape, donc j'ai pris ces deux-là. Le premier, le noir, il est de chez... je sais plus, bref. Et celui-ci, je l'ai eu en cadeau, donc pareil, je peux pas vous donner la provenance, mais bon. Enfin, dernier truc, j'ai acheté une Dimo. Il y avait longtemps que j'en avais pas eu. Donc je vais utiliser la Dimo pour mettre un peu d'écriture, et c'est du film noir qui est dedans. Donc voilà, voilà. Allez, c'est parti!
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à commenter. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt !